Bon Dieu bénit nos frères mieux. Amen. Donc, hier soir encore, c'est un plaisir de ce que le Seigneur a accordé nos chances pour nous capables de réunir ensemble en assemblée de l'Église et côté que nous allons faire un service spécial. Et nous inviter tous les amis nous qui suivent nous à travers Facebook et Internet, qui suivent également tout à travers YouTube. Nous saluons. Nous annonçons nous et sauvons nous Jésus-Christ. Nous demandons, nous sommes capables de mettre nous debout pour nous capables de dire Seigneur. Dieu Tout-Puissant, au Papa nous qui est dans le ciel là, maître roi de l'univers, nous bénissons mon Seigneur, nous rendons action de grâce en une façon spéciale. Ambassadeur Blé et sur toute la terre, par exemple, l'autre monde qui dit de gloire, par exemple, l'autre monde qui dit de l'orange. Si un seul monde, il par exemple, l'autre nom, non, ni c'est Jésus-Christ. Nous nous remercions, Seigneur, de ce qui vous permet de nous réunir ensemble, Seigneur, pour nous capables de continuer avec le service, nous, Seigneur, et prédication que nous gagnons à travers Internet. Nous prenons, Seigneur, chaque dans nous-mêmes, chaque ami, chaque auditeur, auditrice qui attendait nous et à travers vos réseaux sociaux, nous prenons au Seigneur tant pris, ouvrez l'esprit. Yo. Et bien, vous connaissez avec intelligence. Aidez-vous seulement pour pas seulement chita attendre, mais aidez-vous Seigneur pour être capable d'arriver, chercher, comprendre les paroles ça, Seigneur. Et c'est celle de l'évangile ça qui permet tout le monde qui est d'accord, accepter, nous va rejoindre la vie pour jamais finir. Papa, nous prions, Seigneur, pour si là où Dieu qui l'a mis en nous déjà, si là où Dieu qui est malade, qui va vivre santé, si là où Dieu qui a suivi nous à travers le monde, Seigneur, nous prions, Seigneur, tant pour ouvrir l'esprit, ouvrir l'intelligence, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes bons et nous avons mérite, mais nous prions, c'est dans notre Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Tout le monde comprend que. Les noms dont on a traité la loi et la grâce, nous voulons faire connaître tout le monde qui a écouté nous, bien tout le monde qui a gardé nous. C'est tout ça dans Exode 20, les versets 1er à 21, n'a résumé là-haut. Parce que dans Exode 20, c'est là du commandement Moïse de recevoir dans mes bons dieux, sur tête mon Horeb là. Pour peuple Israël, c'est là que les serviteurs. Leur pays n'est servi avec du commandement ça. Eh bien, nous pas maintenant tête pour nous, mais si a été venu, il était à Moléni. Il y a un peu de bagaille qui est bon dans le commandement, parce que les gens disent que sous le du commandement, voilà, on a tiré, on a volé, on a fait des. Donc, c'est pour être là ensemble avec nous. Dans ce sujet ça qui nous commence à traiter, on va arriver à comprendre tout ça qui est dans 10 commandements qui sont bons pour nous. Chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est à retirer le Nouveau dans l'Ancien et puis le transmettre devant nous dans le Nouveau Testament. Et tant pour nous être capables de dire que. Bon Dieu protège tout peuple, bon Dieu remet tout peuple. Bon Dieu remet tout peuple qui sous la terre. Vous pas d'accord ça? Bon Dieu remet tout peuple qui sous la terre. Mais la loi Moïse là c'est donc héritage le peuple d'Israël. Exemple. Nous apprenons Deutéronome chapitre 33, le verset 3 à 4, qui s'allie. Oui, il aime le Père. Tous ses saints sont dans la main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi et l'héritage. De l'assemblée de la robe. Bon Dieu remet tout
peuple sur la terre. Depuis le début, vous m'avez cédé venu, nous t'en débarrons. Vous avez un exemple qu'on est, c'est bien, il va dire. Mais, parce que qu'on est, dit qu'on peut y évoquer, vous avez du temps de voler. Et de reporter. Mais, d'après loi Moïse, là, d'après le Dieu, donc 33, verset 4, là, c'est un héritage lié. Le peuple d'Israël. Tout le monde connaît ça, ça veut dire héritage. Soit papa ou avec maman ou qui quitte ton terre ou bien au caille, eh bien, il faut tout petit, de petit à petit. Laissez-nous faire connaître la loi Moïse, non, c'est pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Les bon Dieu fait petit Jacob, ou bien il fait peuple d'Israël, là, qu'on est ça, il décide. Il va faire ça pour toute nation. Il va agir de même pour toute nation. Exemple, nous avons Psaume 147. Psaume 147. C'est pour lire avec nous, Sœur Marie et Sœur Olga. Donc, le mot marqué tout. Marqué ensemble avec nous. Parce que nous sommes capables de prendre nos mains. Nous sommes capables de prendre nos mains. Psaume 147, le bon Dieu décide un bagage pour le peuple d'Israël, il n'y a pas décidé, ce n'est pas pour toute nation parce qu'il y a. Psaume 147, le verset 19, avec. Le verset 19, avec. Écoutez, il révélait sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez les Seigneurs. Donc, bon Dieu dit, les révéler aux paroles pour Israël. Le peuple d'Israël, il n'a pas agi même pour toutes les nations. Ça veut dire, la loi Moïse là, pas pour nous l'autre nation. Ni pas pour nous l'autre nation, mais c'était pour le peuple d'Israël. L'elfe décide donc bagaille pour Israël, ni pas faire l'autre nation. Pour capable de comprendre ça, nous va le traiter là, grâce à avec la venue de Jésus-Christ, qui fait aujourd'hui à moi-même. Qui fait partie de l'autre nation. Nous avons accès tant pour le monde juif. Et si le monde juif n'est pas pour aller voir, il nous même nous recevoir là, en tant que juif n'est pas sauvé. C'est le bagage que nous connaissons, les juifs, qui ont une seconde promesse, pour tout pareil, pour qu'ils finissent d'entrer dans le parc là, finissent quoi. Dans la parole mondiale, Israël est pour quoi massivement. Ça, c'est une prophétie. Mon Dieu, je ne vais pas quitter le peuple. Nous avons regardé encore, nous, Psaume 147, là, nous avons décidé de faire pour Israël, il n'y a pas fait pour toute nation. Et changer la loi Moïse, là, mon Dieu, est prescrit pour tout Israël. Nous avons fondé dans Malachie 4. Le verset 4. Tout pour l'écrit. Okay. Malachie 4. Donc Malachie, c'est avant Matthieu. Avant Matthieu. Dernier livre là, dans le second. Malachie 4, le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un horaire pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Songez bien. Moïse te dit avec Père Israël, songez bien la loi, ça. Bon Dieu t'a écrit, il t'a prescrit la loi, ça, sur tête mon oreille, pour tout Israël, pour toute nation.
tout précepte lié et tout ordonnance. Ça veut dire tout ça qui était dans la loi Moïse là, que Jésus-Christ va transmettre dans le Nouveau Testament, il va transmettre dans les fondements des apôtres, il n'est pas pour chrétien. C'est que Jésus-Christ finit avec le diable. Et qu'on y a, on ouvre la loi et la grâce. La loi et la grâce. Nous sommes bons tout. Verset pour nous, les bondiers étaient décidés, mon bagaille pour Israël, c'est pas pour toute nation. Et ça fait des bagailles de la loi, c'est pas pour. C'est pas pour nous, l'autre nation. Et les la loi était en vigueur, oui, c'était pour le peuple d'Israël. Mais je vous dis, il y a Jésus qui vient venir, même pour le peuple d'Israël, là, moi, ça, il n'y a pas de guerre qui n'est pas en vigueur. Il n'y a pas en vigueur encore. La loi est la grâce. La loi vient par Moïse, la grâce vient par Jésus-Christ. Et la loi, Moïse, là, est écrite sous deux roches plates. Et la loi Christ là, il écrit dans le cœur pour capable de faire différence entre la loi et la grâce, des bagages différents. Premier verset, nous allons nous trouver au côté qui j'en loi a été. Il était strict. Il a tourné par la Bible ensemble avec moi dans Deutéronome. Non, oui. Il a tourné par la Bible avec moi dans Exode, excusez-moi, Exode 31. On n'est pas élevé là. Exode 31, les versets 12 à 18. Donc, on va beaucoup moins loi à télé. Et loi à testrit. Loi à testrit. Ça peut nous dire testrit. Parce que grâce à la venue de Jésus-Christ, nous dit à nous, on va jouer ça encore. Mais qui j'en s'atteigne? Le Seigneur parlait à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël. Et dit-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, ainsi auxquels on connaîtra que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaille ce jour, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Ainsi, qui devra dire à perpétuité. Car en ce jour, le Seigneur a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il cessa son œuvre, et il s'est reposé. Lorsque le Seigneur est achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, table de pierre écrite du droit de Dieu. Si y a de parler ensemble avec Moïse, l'idée du peuple Israël, nous pas manquer dans l'observer sabbat. Parce que sabbat, c'est une alliance entre moi et même avec moi. Et parmi vos descendants, ainsi, c'est un signe
moi fait yo connait moi c'est mon Dieu qui mettez yo à part pour moi. C'est pour yo observer ça bas. C'est un bagage qui sain. Époque là ça bas tes droits et c'est un bagage normal. Ou te doué observer ça bas. Et n'importe monde qui profane, ça veut dire profane pas faire, qui pas observer ça va bien ou bien ta faille dans observer ça va, c'est pour tuer. Ça veut dire si, merci Seigneur Jésus-Christ parce que si ça va exister toujours, moi même avec ou nous pas ta place aujourd'hui. Jour ça va nous on t'a tué nous tout. Ou bien si nous même nous pas d'accord pour nous pas observer ça bas, mais moun qui t'a dit qu'on y est là y a pour observer ça bas, depuis au réunion c'est pour nous t'abattre tout et tout. Parce que d'après loi, depuis d'accord pour observer la loi, ou pas de marquer fait rien la donne. N'importe moun qui font petit travail dans jour ça, c'est pour tout yel, retirer l'homme dans peuple. Parce que bon Dieu dit mais qui j'aime te créer le monde. Nous te travaille 6 jours, mais sous 7e jour, moi-même, je baille l'autre pour tout peuple Israël la travaille 6 jours, mais dans sous 7e jour, c'est pour reposer. C'est jour ça va. Jour ça me prendre pour moi-même, bon Dieu, c'est pour moi. N'importe monde qui font travail dans jour ça, n'importe travail ou faire, c'est pour tuer ou. Ça veut dire, même si je mange pas de café là. Et le peuple d'Israël là t'es d'accord pour observer ça bas. Yo d'accord ni eux même et ni petit yo ni petit petit yo. Tant qu'on alliance qui était là pour tout temps. Parce que bon Dieu t'a dit alliance là pour tout temps. Si c'est à patrimoine mais nous dit pas t'a changer, je dis à nous pas t'a plus comme ça. Ça veut dire ça va. Sabaha était un jour. La loi était un jour. C'est ce qui est arrivé nous en bas. Les bon Dieu finit dit son loi perpétuelle. Il dit ça, c'est une loi qui entre moi-même, mon Dieu, avec le peuple Israël. C'est pas tout le monde notre nation. Il dit c'est un signe qui a duré tout le temps. Parce que bon Dieu dit, parce que moi-même, bon Dieu, je travaille, je fais ce qu'elle a avec terre en 6 jours. Sur 7e jour, je fais le travail, moi. Je me repose. Où est-ce que ça, bon Dieu prend? Nous allons montrer, avant fin et tout blanc, nous allons montrer le repos à part, bon Dieu. Bon repos. Bon sabbat éternel, bon sabbat réservé pour le monde, n'a pas même gagné. Mais nous pouvons nous dans mon banc pour nous montrer qu'il s'est reposé de toutes ses œuvres. Ça veut dire que nous avons montré, si nous prenons le temps pour le monde, nous devons nous progresser pour tout le temps qu'on vive votre travail toujours pour le monde. Mais je crois que Dieu va faire appel à nous. C'est bien avoir reposé et puis je voyons à suivre. Le bon Dieu était fin parler avec Moïse, il fin bal loi ça pour peuple Israël, il fin parler. Il écrit loi sous deux roches plates. Sous tête montagne Sinaï, il écrit loi sous deux roches plates avec doigt li. Lorsque le Seigneur est achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Loi Moïse là t'est écrit sous deux roches plates avec doigt mon Dieu. Et loi Jésus-Christ. Avec qui ça l'écrit? Loi Christ là. Loi t'es si tellement dit. Ok, avant nous pour loi Christ là, t'es bien. Loi t'es si tellement dit
c'était un sabbat, c'est une là d'ailleurs qui est une spéciale. Sabbat sont spécialités dans la loi Moïse. Dans la loi bon Dieu t'a écrit avec droit ici sur tête Sinaï. Si on te joint, yon moun ap travay jou sabbat, yon tap touye ou. Nap moun pou si tellement sabbat strict. Jodi di as, si bon Dieu délivre ou en bas loi ou pas satisfait. Ou pas satisfait ou wap fè semagri, simagri. Donc on va observer sabbat. Ou bien on va observer loi Moïse là. Si vous continuez, tendez-moi avec l'étude là, pas perdre le chaque dimanche. Si l'État a bonne possibilité pour nous continuer, on va connaître un film. Ou pas de cadavre. On nous montre un petit nom, joue ça bas, puisque depuis le roi, ça a été fini par l'électrique sur deux autres plaques, la bonne baille. Et puis, pour peuple Israël là, joue ça bas, ou pas de travail, ou pas de sorti ou bien tout des kilomètres pour déplacer ou pas qu'à l'on maquet. Je t'ai dit, nous n'avons pas de maquet, ça passe dans un petit bagage, un petit gîte ou bref, et t'as tout. Merci Seigneur. On nous est dans Nombre chapitre 15, Nombre 15, le verset, le verset 32 à 36. Nombre. Chapitre 15, les versets 32 à 36. Écrit, et puis vous-même apprenez. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ce qu'il avait trouvé ramassé du bois l'a amené à Moïse, à Aaron. Et toute l'assemblée, on le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Le Seigneur dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, et toute l'assemblée le lapidait hors du temps. Toute l'assemblée le fit sortir du temps, et lapida. Et il mourit comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Pendant que le peuple d'Israël était dans le désert, il y a un petit nom qui a ramassé un petit bois pour la limer, un petit diffé, pour le faire manger, ou bien pour le bouquet.